Direction Espagne, adios, señoritas, y olé. Pour cette famille, l'été s'annonçait idyllique. Un momento, por favor, abren sus paletas. Voilà. Non, je te jure. Jusqu'à la douane. Mademoiselle. Enfin, où est-il ce diamant? Dans la poche d'un veston, je te dis. Et le veston? Dans une valise. Quoi qu'il arrive, pour réussir ses vacances, il faut prendre le taureau par les cornes. Taxi, roulotte et corrida avec Louis de Funès, mercredi 28 à 22h50. Si seulement on savait où ils vont. À Séville, d'après ce que j'ai compris. Moi, j'ai lu dans les guides que Grenade, c'est beaucoup mieux. Moi, je ne suis pas con, hein. Il faut qu'avant demain soir, on ait retrouvé cette famille. Quelques mots à propos de Sabrina. Est-ce que Billy Wilder, qui a réalisé donc la première version, a vu votre propre version à vous? Et si oui, qu'est-ce qu'il en pense? Oh, vous l'a-t-il dit? Well, that's a long story. Yes, he c'est did une longue histoire. Il l'a vu, oui, bien sûr. And if you know Billy Wilder, you si know vous connaissez Billy Wilder, Billy Wilder doesn't waste time. Il ne perd polite. Pas son temps à être poli. Il dit ce qu'il pense. Il est dur. Il est merveilleux. I don't know if he was telling me the truth. Je ne sais pas s'il m'a dit la vérité ou pas, mais il a dit qu'il avait aimé le film. Il était dur, il m'a parlé pendant toute la durée de la projection. Il a dit, c'est trop sombre. Il faut que j'ai plus de lumière, plus de lumière. Je n'entends pas ce qu'elle dit. Je ne comprends pas ce qu'elle dit. Mais à la fin du film, il a dit, il a mis très longtemps à le dire, mais il a dit, c'est très dur. C'est maybe très dur. You'll live long enough that somebody will remake. Il a dit, tu vivras peut-être assez longtemps pour que quelqu'un refasse time, ce film. Said, it's good. Et puis good. Il est resté un bon moment, puis that, il a dit, c'est bon. C'est now, bon, oui, I c'est pas mal. J'aurais pu penser qu'il me mentait, mais en fait, il a été tellement dur sur d'autres films. Nous avons déjeuné ensemble après, nous avons parlé longtemps. Puis il m'a dit, tu as eu combien d'Oscars? J'ai dit deux. Il a dit, moi j'en ai eu cinq. Il a dit, oui, je sais, et vous les méritez. Did you get an Oscar for the way we were? Il a dit, tu as eu un Oscar pour The Way We Were? Non, tu aurais dû en avoir un pour ce film. I tell you the truth, he says, I didn't care for the Africa picture. Il a dit, non, le film sur l'Afrique, j'ai pas trop aimé. C'était ennuyeux au possible. So I know that he's capable of je sais qu'il peut être très dur sur un film. Roger Vadim, qui est bijoutier du Clair de Lune, c'était une sorte de western, celui le film que vous avez tourné avec Brigitte Bardot et Stephen Boyd. C'est encore une aventure du cinéma, comme heureusement ou malheureusement il en existe. C'était au départ, comme vous le savez, un roman. Et l'idée était de tourner ce film en Auvergne avec Brassens. Diable. Ce qui était parfaitement le personnage du roman, du livre. Et puis Raoul Lévy avait à travers la Colombie des pesetas bloquées en Espagne, et nous voilà partis sur l'Espagne. Alors déjà, ça changeait beaucoup. Hein, pour le, Clermont-Ferrand. Oui. Brigitte Bardot était déjà prévue. Et Malaga. Brigitte non, pas du tout, elle n'était pas encore prévue. Ensuite est arrivée donc Brigitte Bardot en prime, jolie prime. Et puis, là-dessus, il a fallu, parce que moi, je vois, il n'est pas très bien comment adapter ce roman en Espagne, en Andalousie. Donc,
Raoul a choisi un auteur dont je ne dirai pas le nom parce que c'est un homme très très gentil qui est mort depuis mais qui a des héritiers et qui venait d'avoir un grand succès parce qu'il avait écrit un scénario, un roman policier qui avait très bien marché. Et puis donc nous voilà repartis dans un style complètement différent. Ensuite, Raoul trouve Stephen Boyd qui venait d'avoir un grand succès en Angleterre en jouant un rôle d'espion qui trahissait l'Angleterre, parce qu'il est irlandais, donc qui travaillait pour les Allemands. Alors, toute cette espèce de marmelade, de confiture, de compote mélangée, a donné quelque chose d'un peu baroque. J'ai fait ce que j'ai pu. Je me suis quand même souvent amusé à tourner ce film. Mais enfin, vraiment, c'est le genre d'aventure du cinéma où on commence le A et on finit Z dans une direction tout à fait différente. Quels sont vos rapports avec les États-Unis ? Au début, je pense que c'est grâce aux États-Unis que j'ai pu faire la carrière que j'ai fait. La sortie de Dieu crée la femme, par exemple, en France, était plutôt modeste. Ah bon ? Oui. Parce que rétrospectivement, on a l'impression que c'était quand même... Non, les critiques, surtout pour Brigitte Bardot, étaient très, très, très désagréables. On disait... Enfin, ce film, au moins, a une qualité, c'est qu'il va nous débarrasser pour toujours de cette petite... cette éternelle starlette. D'autres, je sais pas, dans Combat, par exemple, on disait, en tout cas, au moins, on sait que ce film qui ne tape qu'en dessous de la ceinture a au moins une qualité, c'est qu'il ne pourra jamais être exporté. Et il était sorti, je crois qu'il a fait une exclusivité, c'était pas beaucoup à l'époque, d'un peu plus de 100 000 entrées quand il est sorti. Et plutôt mal reçu. Hein. Il y avait vraiment sur... Il y a Truffaut qui avait fait une bonne critique du film, Hervé Bazin, je crois, et puis c'était à peu près tout. Tous les autres critiques avaient tapé dessus à bras raccourcis. Et par les États-Unis, le film a éclaté. Il a éclaté dans le monde entier, mais d'abord aux États-Unis. Et ensuite, curieusement, il a fait une seconde carrière en France, qui était beaucoup plus importante que son exclusivité. Et puis ensuite, il n'a plus jamais quitté les écrans. Ce n'est pas tout à fait votre premier film, puisque dans votre livre, vous racontez deux mystérieux courts-métrages que vous avez réalisés. Alors d'abord, ils n'existent pas, l'un et l'autre ont disparu. Alors, je m'explique. Le premier court-métrage, c'est Brandberger qui me l'avait commandé, mais donné de la pellicule à un opérateur. Et j'aurais dû me contenter de faire un court-métrage sur Saint-Germain-des-Prés, un documentaire, et j'ai voulu faire un film de fiction. Ça s'appelle Les Retours. J'avais imaginé l'histoire d'un combattant de la guerre de Franco qui était condamné à mort, qui écrivait un livre comme Cosla, qui avait le prix Goncourt, et qui... dans lequel était lue une grande indifférence. Bon. Naturellement, je n'avais pas les moyens pour le faire. Et je me suis vite rendu compte de ça. Comme je dis dans mon livre, ce n'était pas une vraie chance, c'était une demi-chance. Comme dans Edgar Poe, dans Puis le pendule, le condamné à mort reçoit la moitié d'une idée. C'était la moitié d'une chance. Et quand je me suis rendu compte que je n'arrivais pas, j'ai abandonné mon film, je l'ai monté, je me le suis projeté pour moi tout seul, et j'ai dit « personne ne verra jamais ». L'autre film, c'est Ulysse ou les pavés dans mon compte, qui est un passage de l'Odyssée, écrit par Anne-Marie Cazanis, qui avait commencé par demander à Coe de le mettre en scène, et puis finalement, c'est moi qui l'ai mis en scène, et c'était vraiment un canular. Alors. Mais il y avait un canular où il y avait Cocteau qui jouait le rôle de mère dans le rôle du souffleur, Christian Bérard jouait Neptune avec la barbe dégoulinante de whisky derrière le hublot, du théâtre du Vieux Colombier, il y avait François Chalet et France Roche qui jouaient Hélène et Ménélas dansant sur la scène du Vieux Colombier, il y avait Takella qui était le chef des lotophages, il y avait Yvonne Debray elle-même qui était Circé, il y avait Gréco... Je veux voir ça. Comment il va ? Non, parce Jean Genet, qu'est-ce qu'il faisait ? Jean Genet, on s'est partagé le rôle. Il a commencé, puis je l'ai repris. C'était une cyclope. Et puis, le film, j'ai monté... Je l'ai donné à Anne Badel qui l'avait commandité, et puis il a disparu dans la faillite d'Anne Badel. Mais je ne le regrette pas. Si jamais, par
un hasard miraculeux, un chercheur trouvait ses films comme Bernard de Fallot a trouvé les premiers films de Proust, la seule chose qu'on y trouverait dedans, c'est peut-être le goût des cadrages à l'expressionnisme que j'ai repris dès que j'ai pu faire un vrai film. Alors un souvenir de Coluche peut-être, Gérard Lanvin. Ben, un souvenir de Coluche, en roi de France, dans Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. On avait eu un problème avec un hôtelier du coin dans la région bordelaise. Et les flics étaient venus nous arrêter. Et donc, on est parti dans le panier à salade et au commissariat pour une déposition en roi de France. Avec Coluche, avec sa barboteuse et moi, en chevalier blanc. Et je crois que là, c'est tout ce qui est formidable dans ce métier-là, parce que c'est tellement dérisoire, tout d'un coup, de se retrouver dans une histoire sordide avec un hôtelier et des flics et nous, en faisant les artistes, là. Je veux dire, Coluche, moi, je l'ai vu dans des situations tellement extrêmes, parce que c'était un nerveux, quand même. Hein, il n'était pas simple, non plus. Il n'était pas si gentil que ça. Parfois, quand on l'emmerdait, ça allait loin. Et il m'a toujours mis dans des embrouilles incroyables. Je peux pas les raconter là, parce qu'il y en a tellement, mais enfin, moi, les souvenirs que j'ai de Coluche, c'est sa folie, et sa folie qui va au bout des trucs, quoi. C'est-à-dire, un jour, il a traité un flic de con, par exemple. Il a été donc au PLM Saint-Jacques jugé, et il a quand même dit au juge, oui, c'est vrai, je l'ai traité de con, mais enfin, regardez sa gueule, prouvez-moi le contraire. Le problème, c'est qu'il y avait tout le commissariat, plus plein d'autres flics, et tout le monde s'est foutu de la gueule, ce flic-là, finalement. Dans votre livre, vous dites beaucoup de bien d'André Bertomier. Ah oui, j'adorais, c'était un petit bonhomme tout rond. Il était tellement rond et petit qu'on avait presque envie de shooter dedans. C'était extraordinaire, il était plein d'humour. Et la plupart des metteurs en scène, obligés par le producteur, et les horaires c'est soit 9h-6h, soit midi 7h30, et arrivé vers 7h, il faut déjà que tout soit presque en boîte, et les gens s'énervent parce qu'à 7h30, il y a les heures supplémentaires, ça va très vite, ça coûte très cher. Et lui, c'était le contraire, lui. Il se mettait, c'était un grand joujou de cinéma. Il s'agissait, quand on arrivait au tournage à midi, par exemple, de libérer tout le monde, travail accompli, vers 5 heures. Il était heureux. C'était le but, presque avant le sujet du film, c'était les enfants aujourd'hui, on va se battre leur corps. Alors, chacun, c'était un grand jeu où tout le monde participait. Donc, c'était merveilleux parce qu'on enchaînait les plans et à 5 heures, très souvent, nous étions libres. On va attaquer quand même un film extrêmement important qui, dans votre filmographie, qui vous met le pied à l'étrier, si j'ose dire, en tout cas des films importants de votre filmographie, c'est Assassin et voleur, le film de Sacha Guitry. Ah, oui. Est-ce que vous pouvez nous relater votre rencontre avec le maître ? J'étais au Trois-Baudets, j'étais pianiste et je faisais une bêtise, je me lavais les cheveux, je faisais mon linge, j'étendais le linge sur les spectateurs, qui étaient tout contents d'être trempés, mais ça n'a pas de problème. Et un jour, Guitry est venu, puis voilà, et je savais, tiens, il y a Sacha Guitry, j'ai dit, ouais, putain, voilà, machin, ça ne va pas déranger, moi, j'ai mon petit bonhomme de boulot. Et puis, deux, trois jours après, je reçois un mot délicieux, que je n'ai pas gardé, je garde rien, mais ce mot, j'aurais dû le garder si j'avais su. Et puis, me demandant si je serais d'accord pour tourner un petit rôle dans un de ses films. Alors évidemment, ils ne t'opposent pas, mais j'avais un tel trac tout de même parce que ce personnage est impressionnant, il en impose, c'est un seigneur, j'allais voir un vrai seigneur. Et je me souviens avoir bu du vin rouge, de la bière, du cognac, je lui ai fait un mélange insensé, whisky, pour pouvoir être un petit peu à l'aise devant ce bonhomme. Et je suis allé le voir, il habitait rue Élysée, oui, au Champ de Mars. À la maison de son père. Oui, ah bon, je ne savais pas. Bon, je sonne, Majer, un superbe lévrier afghan, un mec en blanc, en livrée blanche, et un charge superbe en gras, immense. Je reçois comme ça, et puis il y avait un escalier superbe, je monte cet escalier, j'avais affaire à Louis XVI, c'était pas possible, le faste, la dignité, tout ça. Espèce de bonhomme de Guitry, en quatre phrases, je tremblais presque, en quatre phrases, je me suis senti chez moi. C'est fabuleux. Et je recevais M. Guitry.
François Perrier, il nous reste quelques petits instants pour résumer une très grande carrière. Moi, j'ai juste envie de parler d'un film relativement récent qui date de 1975. Avec un grand metteur en scène français qui est Alain Corneau, je pense à Police Piton 357, où vous côtoyez vos amis Simone Signoret et Yves Montand dans un rôle de bourgeois orléanais particulièrement. Enfin, vous étiez commissaire de police et un commissaire un peu duplice. Oui, oui. Quel souvenir de ce tournage ? Merveilleux. Merveilleux parce que, d'abord, Yves et Simone, c'était mon univers, c'était des amis vraiment intimes. Et puis, le film s'est très très bien déroulé. Et c'était... Parce que c'était quand même un film engagé. C'était toujours engagé ce que faisaient Simone et Yves. Ce à quoi ils collaboraient. Et malheureux. Mais ils étaient vraiment... C'était vraiment des gens qui ont une place extraordinaire dans ma vie. Enfin, je me suis souvent surpris... Je ne suis pas surpris, mais enfin... J'ai été étonné, mais je me retrouvais au bout du film en ayant appelé Simone ou Yves pour leur demander un conseil. Mais comme j'aurais demandé à des parents, à des amis très intimes. Et parce que c'était des gens, j'aimais leurs réactions. Ils avaient des réactions, même si elles étaient contraires à ce que je cherchais, à ce que je souhaitais. C'était des gens qui jamais, en tout cas, ne cachait la vérité. Il disait toujours ce qu'il pensait. Vous aviez des scènes très difficiles face à Simone Signoret qui jouait une femme, enfin infirme, handicapée, très dure. Oui. Est-ce que c'était difficile de donner la réplique à Simone Signoret ? Oui, c'est-à-dire... Oh, pas du tout. Non. En tant que comédienne, pas du tout. Elle était une camarade très, très, très agréable avec laquelle on aimait travailler. Mais elle avait une telle profondeur dans son jeu, et ses rôles étaient tellement travaillés qu'on avait toujours un peu peur de déranger le schéma qu'elle s'était tracé. Et elle vous obligeait à être sérieux. Et ce qui n'est pas mon fort en général. Vous n'êtes pas un dilettante quand même. Non, pas dilettante, mais j'ai toujours gardé un certain goût de la blague. Et même avec Yves, nous avions souvent, et elle nous traitait comme des garnements dans ces cas-là. Petit coup de pied sur Jean-Jacques Haneau, quand il arrive avec Le nom de la rose, qui est quand même un bouquin extrêmement épais d'Umberto Eco, comment réagissez-vous ? Deux mots là aussi, c'est un coup de téléphone que j'ai reçu de l'Ebovici, peu de temps avant qu'il se fasse d'ailleurs assassiner, me demandant si je pouvais travailler à l'adaptation, puisqu'ils avaient des problèmes, Jean-Jacques avait décidé de faire ce film-là. Il avait des problèmes, et puis bon, pour adapter, alors moi j'avais pas lu le livre, j'ai eu le livre, que j'ai trouvé monumental, en tout cas, comme travail à faire pour l'adapter, et puis Eco est venu un soir, chez Elisabeth et moi-même, avec Jean-Jacques et son épouse, et j'ai vu ce monsieur pour la première fois. Bon, j'ai essayé de... Il est tout à fait fraternel, hein, mais il est d'une érudition abominable. C'est-à-dire, j'ai essayé de lui parler de quelques trucs où je me dis peut-être que je vais être plus fort que lui. Je suis assez costaud sur les anamorphoses, par exemple. Il y a un ouvrage de Baltrusetis que personne ne connaît. Vraiment, il faut être costaud pour le connaître. Et Badaboum, il connaissait beaucoup mieux que moi. Il m'a fermé mon plat de merde. J'avais l'air un peu con. Ensuite, je me suis dit, bon, en tant que breton d'origine, je suis assez costaud sur... sur ce qui concerne certains dolmens, etc. Bon, là, pareil, quoi, ils connaissaient mieux que moi. Finalement, tu ne pouvais rien aborder qu'ils me connaissent mieux que toi. Ça, c'est assez agaçant. Sauf, brusquement, j'ai eu une illumination en voyant, on parlait, on bouffait, on dînait. Il y avait son bouquin qui était là. Ah, j'ai dit, il y a une chose que moi, je vais pouvoir faire alors que vous ne pourriez jamais faire. Ah bon, c'est quoi ? C'est adapter votre bouquin. Alors ça, je suis sûr que vous ne pouvez pas le faire, de l'adapter pour le cinéma. Là, il s'est marré, il a dit, c'est très probable. Et quand on regarde le générique de ce film, d'un côté, on a Sam Wood, qui était quand même un des plus virulents parmi les metteurs en scène, qui a dénoncé beaucoup de monde, notamment Dimitri. Oui, bien sûr. Il y avait Ginger Rogers, dont la mère est également très, très notoire. Et Ginger aussi. Ginger aussi. Oui. Et de l'autre côté, vous avez deux victimes du McCarthy. Victime, c'est un mot que je ne crois pas est juste, mais ça ne fait rien. Il y avait deux hommes qui ont pris en position. Victime, si vous voulez, mais qui sont Dalton Trumbo et Donald Logan Stewart. Mais pourquoi vous dites pas victime ? Parce que si vous connaissez, qu'est-ce que ça veut dire victime ? Ils ont fait un choix.
Ça veut dire, est-ce qu'il y a la victime? Oui, il y en a des victimes dans la guerre, il n'y en a pas tout dans le truc. Mais nous, les hommes qui ont fait ça, on a fait un choix et on a vécu une vie dans laquelle on n'était pas victime. Trumbo était victime, voyez sa carrière, qu'il a gagné l'Oscar après, qu'il a fait des films qu'il voulait, c'est pas une victime. Dans Langdon Stewart, qui a parti pour l'Angleterre, qui a écrit jusqu'au bout de sa vie, je sais pas ce qu'on appelle ça une victime. Ça veut dire quoi? Qu'on était conscient de notre choix. Personne nous a tombé dessus comme ça. Enfin, L'Amérique était victime. Probablement. Le pays. Mais vous avez été en interruption de travail pendant un certain temps. Bien sûr, mais alors? Mais on fait un choix comme ça, on peut pas. Moi, le travail est important, mais qu'il y a quand même un être humain, un principe sur lequel on basait sa vie. Moi, Kazan aussi a fait un vie. Je crois que Kazan est la victime. Il est la victime de sa choix. En fait, vous parlez de Garfield, vous parlez de quelque chose que, pour moi, on a fait, on s'est connus très longtemps. Il était dans le théâtre et que moi je voulais faire le théâtre et on m'a demandé de faire un rôle dans lequel il a joué le rôle principal. Il est parti pour Hollywood et on m'a demandé de le remplacer, d'essayer de faire une audition pour le faire. Et j'ai fait l'audition, je l'ai imité fabuleusement bien. Évidemment, ils ont pris un acteur qui était pas une imitation de lui. Et moi, je ne l'ai pas fait. Mais lui, je l'ai connu depuis des années. C'était un acteur formidable. C'est le premier anti-héros. Dans le romantisme de ça, c'est John Garfield qui a fait ça. Dans Les Trois Sœurs, ou Les Trois Petites, ou je ne me rappelle pas, la fille de Dr. Spence, je ne me rappelle pas le titre dans lequel il était. Mais c'est un acteur magnifique, fabuleux, qui a une carrière, je crois que c'est important de le dire, parce que vous parlez de victimes, etc. Lui, il était plus important que Bogart, à l'époque. Mmh. Plus important, plus connu, il a fait sa propre maison de production, tout que nous, en 1950, on arrête à cause de le fait qu'il était poursuivi par le McCarthyisme, si vous voulez, ou le Un-American Activities Committee, qui était pareil. Et là, sa carrière était terminée. Et maintenant, c'est affreux parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se rappelle de lui. Avec une carrière éblouissante et un acteur fabuleux. La question qui nous brûle tous les lèvres ici, c'est comment c'est Hollywood aujourd'hui? Comment c'est les studios? Quels sont les rapports avec les grands producteurs? Quelles sont cette machine industrielle qui est tellement décriée en France? Je pense que vous pouvez vous en faire un peu l'avocat. Chacun vend sa salade. C'est vrai que les Américains auraient tendance à faire des films parfois plus divertissants que les autres. Mais le cinéma français a son identité et aura toujours son identité. Il l'a toujours eu. Donc moi, j'ai toujours été contre cette idéologie de dire « Ah oui, mais le danger vient des Américains, vient de ce genre de cinéma ». Non, il vient pas. Il fait partie du cinéma mondial, au même titre que la France fait partie d'un cinéma mondial. Quand même, on dit que les rapports sont très durs là-bas, entre les producteurs, les agents et les artistes, proprement dit. Vous vivez ça comment? C'est pas rose tous les jours, c'est pas tendre. Mais, il y a des avocats partout. Mais c'est tendre nulle part. Je dirais que c'est probablement un peu plus bon enfant et un peu plus installé dans une forme de douceur de vivre ici en France, qui est très agréable. Ce qui est très agréable. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi 100 fois plus d'acteurs, 100 fois plus de producteurs, de metteurs en scène. Donc il y a 100 fois plus de compétition. Et que les gens, plus il y a de compétition, moins ils ont envie d'être gentils. Mais je crois que de nouveau, à partir du moment où on a un côté unique, où on a une personnalité, où on a quelque chose de différent, ce ne sont pas des choses qui vous touchent. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de tension, qu'on fait beaucoup plus attention à son dos. Mais je crois que Mortal Kombat là-bas a eu un très grand succès, le film est déjà sorti aux États-Unis. Est-ce que ça change quelque chose pour votre statut, par exemple? Oui, bien sûr, les succès changent toujours des choses. Ce que ça change, c'est la manière dont les gens maintenant approchent mon agent, mon manager ou mon avocat, ou parce que là-bas c'est une batterie de... Ici j'ai un agent qui est Dominique Besnard et qui est un mec adorable que je connais depuis 18 ans, qui est un agent qui est dur, qui est très bon et qui est très respecté, mais
De nouveau, j'ai pas besoin d'une batterie comme ça, mais là-bas c'est obligatoire, parce qu'il y a tellement de choses, quand on voit la différence des contrats qui font 70-80 pages là-bas, parce que tout est dedans, du merchandising, en passant par la taille de la caravane, les billets d'avion, les machins, etc. Bon, ici les contrats sont plus minimes, mais j'aime bien le mélange des deux, c'est comme quand on me demande qu'est-ce que c'est mieux de vivre aux États-Unis ou en France, c'est génial de vivre dans les deux, parce qu'il y a le côté pratique, technologique des Américains, et puis il y a la douceur de vivre, la culture, un côté beaucoup plus bon enfant et beaucoup, beaucoup plus rassurant quand je reviens en France. C'est génial de partager les deux. Vous avez réalisé un film qui a une facture américaine, comme on l'a dit, très spectaculaire, avec des pyrotechnies éblouissantes, des chorégraphies de combat, etc. Et en même temps, dans des délais ahurissants pour un tarif défiant toute concurrence. Mais oui, mais c'est une belle carte de visite. Il faut savoir que quand on arrive aujourd'hui, avec donc en présentant un film comme Craig Freeman, qui n'a pas dépassé la barre symbolique des 10 millions de dollars de budget, et qui a été tourné effectivement en 40 jours de tournage, assez intense, je vous rassure, mais c'est vrai que ça fait une très très belle carte de visite. Je savais d'une manière ou d'une autre que, bon, on me jugerait sur mon inspiration en Europe ou en Asie, mais on me jugerait en fait sur l'aspect formel, le travail fini à Hollywood. C'est sur ça en fait qu'ils visent. Ce qu'ils visent, eux, c'est le rapport qualité-prix. En cela, si vous voulez, leur attitude vis-à-vis du metteur en scène n'a pas tellement changé. Ils voient d'abord le metteur en scène comme un exécutant, et c'est la personne qui doit pouvoir boucler le film en temps et en heure impartie. Pour en avoir parlé avec Christophe, je crois que Truffaut et Melville sont quand même dans la cinéphilie française des noms qu'il faut rajouter tout à fait, dans vos influences. Oui, tout à fait. Truffaut d'abord parce qu'il a montré la voie. C'est d'abord quelqu'un qui nous montre que d'abord c'est intéressant d'être journaliste et ensuite de basculer donc metteur en scène. Et en fait de bien comprendre que la critique cinématographique est un acte militant. C'est en fait une façon de défendre sa vision du cinéma en se servant des films des autres. Ça, c'est quelque chose qui apparaissait particulièrement dans les critiques de Truffaut et qui sont, à mon avis, essentielles. Et d'autre part, Melville, parce que c'est vrai que bon, la référence avec John Woo va être immédiate quand on va voir Craig Freeman, mais en fait, il faut savoir que John Woo a travaillé en fonction d'un cinéaste français qui est Jean-Pierre Melville, en fonction de films comme Le Samouraï ou Le Cercle Rouge ou Le Deuxième Souffle. Et en fait, c'est quelque part, il y a une espèce d'effet boomerang. C'est-à-dire que Melville a emprunté au film de Yakuza japonais pour faire le fameux Samouraï, dont le titre était une confession en quelque sorte. Ensuite, John Woo emprunte à Melville, et aujourd'hui, Mort d'empruntant à John Woo, quelque part, je boucle une espèce de grand cercle comme ça, de grand détour cinéphilique à travers le monde, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est le Gulf Stream. C'est le Gulf Stream, exactement. C'est un grand courant comme ça qui se balade, et je pense que la cinéphilie, ça doit être ça. Je crois que ce qui est important, c'est de se placer dans une généalogie et dans un transport d'idées à travers le monde. Je pense que c'est ça la vraie cinéphilie, et en quoi elle peut aider un jeune cinéaste aujourd'hui. Il en est un de vos films dont on n'a pas parlé et que nous aimons beaucoup, c'est Les yeux de Laura Mars. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ce film, aujourd'hui encore, vous apparaît à vous comme l'un de vos préférés? Et quel est le travail qu'a effectué John Carpenter sur le scénario? It's a cult film. C'est un film froid. Et j'aime le fait qu'il y a pas mal de gens dans le monde qui continuent à regarder ce film.